Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est toujours un plaisir pour montrer la caillou pour me porter pour toute dernière information à travers le pays d'Haïti. Tant coup l'autre bord de l'eau, jeudi à ce mercredi 27 décembre 2023. Bienvenue dans le journal ça. Puis, vous pouvez une vague pour nous développer pour dans le journal ça. Et dans le pays Israël, guerre Israël, Hamas là toujours à continuer pendant un pile monde dans Gaza à mourir, alors que en dedans, il y a recevoir une assistance pendant que population civile là lui-même a rencontré pifon dans une crise humanitaire. Gros et gros rencontre qui gagne, madame, mademoiselle et messieurs, une caravane migrant a marché dans direction frontière États-Unis même, li partager ensemble avec un pays Mexique. Pendant que délégation rencontrée, madame, mademoiselle et messieurs, États-Unis rencontrée ensemble avec le président Mexique. Dans le pays, pas nous, Premier ministre Ariel Henry lui-même répond à la question de la justice, répond à la question du juge Wesley Walter Voltaire dans le cas d'assassinat ancien président Jovenel Moïse. C'est tout point ça, à divers lots. Nous allons pour nous développer pour dans le journal ça, restez connectés avec nous pour être bien informés. Une autre fois encore, bonsoir pour nous toutes et bienvenue dans le développement journal Sila. Guerre Israël Hamas là toujours à continuer. Li pas campé, Israël s'est monté 7 fois 77 fois fort lui-même li exterminer tout militant Hamas yo. Pendant guerre ça lui-même li commencé 7 octobre qui s'est passé là, yon latrié Israël un Israélien mouri, yon latrié militant Hamas fait voile pour pays sans chapeau. Pendant un pile moun tombé à mouri, gen population Gaza lui-même qui recevait une assistance humanitaire pendant gen yon latrié moun tout en dedans population civile là qui a rentré dans une grosse crise humanitaire parce que situation économique là lui-même est extrêmement difficile dans population civile là. Yon l'autre côté, zami internaute dossier immigration, autorité américaine yo exprimé inquiétude pendant que même yon caravane migrant jusqu'à présent et bien qui prend direction frontière États-Unis ensemble avec Mexique ou même yo partagé frontière ensemble rencontre qui t'est faite gagner rencontre qui s'est faite pendant voyage ça gagne secrétaire général des Nations Unies Anthony Blinken lui-même qui rencontré ensemble avec président mexicain et bien objectif rencontre ça c'est pour qu'il soit capable voir comment deux pays yo capable créer moyen pour marcher ensemble et bien pour travailler ensemble pour contrôler entrée sud pays. Yon l'autre côté gagné dossier assassinat ancien président Jovenel Moïse juge Wesley Walter Voltaire lui-même qui t'a décidé auditionner un PM Ariel Henry. Eh bien Ariel effectivement gagné Premier ministre Ariel Henry lui répond question juge Wesley Walter Voltaire dans cadre assassinat ancien président Jovenel magistrat Voltaire lui-même qui t'a déplacé pour qu'il capable aller dans primature pour audition ça RNDDH organisation qui a défendu droit moun et bien contesté et pompé voyez pied de audition ça qui était faite en dedans primature secrétaire général exécutif RNDDH là Pierre Espérance lui-même lui fait connait lui pointer du droit il levé droit li bien haut pour le faire connait article 18 constitution et bien li net et très clair que tout le monde gagne même droit, que tout le monde est égal devant la loi. Eh bien, pour défendre ce droit, lui-même, non seulement, lui lever le droit, eh bien, le fait qu'on est tout, c'est doyen tribunal première instance pour le prince, ensemble avec, madame, mademoiselle et messieurs, président CSPJA, c'est lui-même qui t'a cause, eh bien, gagne un dossier qui c'est magistrat lui-même, lui aller pour qu'il soit capable à la poser. Eh bien, Premier ministre Ariel, question en dedans primature. Eh bien, dans ce sens, ça, lui montrer à clair, ça c'est Gabji qui a fait un dossier justice là. Pour finir, gagner dans le pays la France, yon père de famille qui gagne 33 l'année, lui-même, l'itouye, madame ni qui gagne 35 l'année, qui c'est yon haïtienne. Eh bien, dans ce sens, effectivement, oui, effectivement, oui. En dedans Paris qui c'est capitale pays la France action ça lui-même li passé li fin touye madame ni li touye deux petites filles avec deux petites garçons là
deux petits garçons ça gagne une qui gagne 4 ans et dernier petite là qui gagne 9 mois et deux petites filles une gagne 10 ans et l'autre là lui même lui gagne 7 l'année sous au bois tête lui et bien gagne français ça lui choisi touyer tout monde ça yo avec coup de couteau lui fini ensemble avec famille sans que lui pas quitter une là dedans yo et bien c'est on ça arrivé mourir à coup de couteau effectivement vrai la police lui même grâce ensemble avec vigilance yon série de voisins et voisines qui rivaient permettre que la police lui-même li poser la patte sous assassin dans un moment n'a pas li a li trouvé la côté que lui-même pour capable à répondre question la justice dans sa gain ouais avec yon famille tout entière qui lui-même li rivé assassiné ensemble avec coup couteau. Voilà, c'est là nous mettons fin ensemble avec le journal là pour jeudi à amis internautes. Mais juste avant que nous allions, nous avons plus divers pour nous arriver développer pour vous dans le journal ça. Guerre Israélo Hamas là toujours à continuer, li toujours à temps école. Dans moment Gaza lui-même a recevoir assistance alors que population civile là lui-même a rentré pifon dans une crise humanitaire. Yon gros caravane migrant a marché dans direction frontière États-Unis ak Mexique pendant zanmi internautes, yon délégation rencontré avec président mexicain. Premier ministre Ariel Henry dans pays d'Haïti répond question juge Walter Voltaire dans cadre assassinat ancien président Jovenel Moïse. C'est tout point ça yo à divers autres nous arrivé développer pour jodi dans journal ça toujours été connecté avec nous une façon capable toujours bien informé moun qui t'ai porté journal ça pour jodi encore c'était amis Jerry Chiristal. Entre-temps n'apprécié ensemble avec VOA Creole pour divers reportage. Pour présenter un programme dans la langue créole haïtienne, c'est un plaisir. L'autre fois encore pour nous ensemble, moi c'est Jacques Belizère, avec notre grand point cap dominé actualité. Actualité internationale, guerre Israël Hamas là toujours là dans le moment Gaza continue à recevoir assistance alors que population civile là a rentré pifon dans une crise humanitaire. Toujours dans l'international là, un gros caravane migrant a marché dans direction frontière États-Unis partagée avec Mexique pendant que une délégation américaine haut niveau rencontrée avec président mexicain. Et bien en Haïti, Premier ministre Ariel Henry répond une question juge Walter Wessel Voltaire dans le cadre enquête sur assassinat du président Jovenel Moïse. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'autre fois encore, merci d'être choisi VOA Creole pour informer l'actualité. Nous allons parler de immigration d'abord. Côté que l'autorité américaine a exprimé inquiétude devant une caravane migrant qui prend direction frontière États-Unis partagée avec Mexique. Jean-Robert Philippe a suivi très près pour nous itinéraire caravane ça. Jean-Robert Philippe dit que caravane ça a prend direction frontière États-Unis partagée avec Mexique là dans le moment que gagne une délégation au niveau qui sorti Washington et qui trouvé au sous-sol mexicain pour parler avec président et mexicain Jean-Robert, c'est un nouveau développement dans question ça. Oui, effectivement, j'en dis à Jacqueline, en fait caravane c'est ça d'aller tête droite sous frontière États-Unis partagée avec Mexique là, mais cependant rencontre qui déroulé entre délégation qui est en tête du secrétaire d'État américain Anthony Blinken et puis qui rencontré avec le président mexicain et Andrés Manuel López Obrador. Et bien, contre ça, il y a une importance capitale, surtout pour les États-Unis, qui est destination finale immigrée. Alors, l'objectif, en contre ça, c'est qu'ils disent que les États-Unis sont capables de convaincre Mexique pour empêcher, depuis un port d'entrée sud-pays, donc sud-côté que Mexique partage avec Guatemala, pour empêcher flot immigrants de rentrer au Mexique. Même. Et c'est l'objectif visite voir ça, qui a une grande importance, pas seulement pour Mexique, mais qui a une grande importance pour les États-Unis, étant donné que nous avons un électoral. Mais d'abord, le président mexicain, juste avant la délégation s'est arrivée, il a fait une déclaration pour le dire lui-même, il dit que les États-Unis doivent investir dans l'humain. Au lieu qu'il a investi dans Mirai. Caravane avancé dans le moment, le président Andrés Manuel López Obrador a accueilli une délégation au niveau de l'administration américaine. L'objectif en compte ça, c'est qui genre de pays sont capables de travailler ensemble pour contrôler l'entrée sud-pays via Guatemala, train cap transporter marchandises avec tout autre moyen pour diminuer le flot immigrants qui arrivent sur la frontière chaque jour. Immigrants qui sont en Honduras pour plus fort, l'autre pays d'Amérique centrale là, avec Caraïbes là, marchaient en groupe, en basse surveillance, garde nationale mexicain. Que se toquen el corazón, porque somos mucha gente que viene cansada. Osa, un immigrant salvadorien, mandé politiciens américains, gagne pitié
à cause en pile parmi nous fatigués, nous pas manger et puis pieds nous commencer faire nous mal, nous commencer gain malin. Nous marchons 30 km chaque jour, nous pas connaît combien nous manquer et n'a demandé gain pitié pour nous. Autorité locale estime quantité immigrants qui fait partie caravane là à environ 8000 participants. Yon là dedans c'est citoyen hondurien Manuel. Qui dit lui-même, tout ça nous demande autorité, c'est bon, nous, yon laisser passer, qui permet nous arriver aux États-Unis, côté nous pour le travail, puis permettre petit nous étudier. Résultat en compte entre président Andrés Manuel López Obrador, avec délégation au niveau américain, qui est là-dedans, secrétaire d'État américain Anthony Blinken, ministre de sécurité intérieure Alejandro Mayorkas, avec deux autres officiels, c'est engagement gouvernement mexicain prend pour aider les États-Unis faire face carré à quantité record de monde qui a privé sous frontière. Chaque jour. Immigrants yo babye pour façon immigration mexicaine traité yo. Los buses, si estamos ya llegando a frontera, nos devuelve otra vez para allá. Venezuelien ça, qui parle identifié tête li, déclaré autorité immigration mexicaine fait descendre autobus yo pour faire retourner dans le sud Mexique sans aucune raison valable. Autorité immigration mandé pour nous montrer yo document nous gain et yo dit nous qui pas valable et puis déchirer yo devant nous. En plus, parmi les immigrants, ils disent qu'ils préfèrent voyager sous tête train à cause des autorités mexicaines qui serrent les boulons de voyager à bord du bus ou bien dans l'avion. La verdad, todo esto es difícil y ya yo voy para tres meses en este plan. Anoche me caí. Hayley Persa, un immigrant vénézuélien, déclaré situation difficile. Moi, j'ai 3 mois depuis que je suis dans la situation. Les immigrants ont même bloqué les trains pour moi des passages pour être capable d'arriver sur la frontière. Pour qu'on y ait là, l'autorité mexicaine a campé l'activité de train en attendant, ils ont mis sous pied de nouveaux mesures pour faire face avec flot immigrants qui ont mis des têtes pour les États-Unis. D'après l'agence de la douane avec protection frontière pour l'année fiscale 2023, ils ont mis les mains sous presque 2 500 000 immigrants qui vivent sous frontière sans document légal. Un chiffre record par rapport avec l'année 2022. Immigration, c'est pour un sujet qui a dominé la campagne électorale pour l'élection présidentielle 2024. Jean-Bert Philippe, VOA Creole, Washington. Donc, nous avons pour retourner encore sur le sujet, ça, surtout, une rencontre ça qui fait aujourd'hui entre gros délégations qui sont Washington, qui a parlé avec Manuel Andrés López Obrador, qui est président du pays Mexique, n'a pas quitté Amérique latine, n'a pas quitté Washington et nous parler dans le Moyen-Orient, Proche-Orient, pour nous parler de guerre Israël. Hamas, là, qui est toujours là, dans un moment, Gaza continue à recevoir support, alors que la population civile a lui-même apporté pifon dans une crise humanitaire sans pareil. Gentil Augustin Junior, gain détail sous point ça. Gros la guerre entre Israël et Hamas là paralyse toute activité dans le région Gaza. Pour porter la joie et l'éducation pour tout le monde qui déplace, Al Noami, un professeur anglais, offre un cours anglais régulier à tout le monde. Et puis, pour la première fois, une équipe chirurgien international visite Gaza. Depuis le commencement de la guerre, nous avons vu tout le monde dans la détresse. Figi opal, triste à cause de dommages, destruction et douleur. Nous avons pensé encourager yo et créer une plus bonne atmosphère. Nous avons commencé avec le segment loisir et jouet. Et puis, les nous avons proposé l'idée de faire qu'on entend, nous avons remis l'idée, nous avons développé une passion pour lui. Dans l'école de Rafa, qui s'est abri plusieurs centaines de monde Gaza et un pile de monde, Al Noami, te wè dévastation ak doulè ti moun yo tap sibi. Elle te décidé fè yo revivre l'esprit l'école la, ki te vin tourner yon refuge pou moun ki déplacé yo. Nan bay leçon anglais pou ti moun ki rete ak fami yo nan l'école la. Nou gen droit ak éducation tankou tout ti moun nan mond la. Nou exige droit éducation. Ça fait 81 jours nou pa ale nan l'école normal. Nou pa wè personne. Nou pa wè professeur nou yo. Tarek te fait konnen, c'est une initiative personnelle et volonté li te pran, yon façon pour aider ti moun yo qui traumatisé pendant la guerre Israël-Hamas là, qui déjà arrivé dans 81e jouli, côté en pile moun perdit la vie yo, en pile moun rete en bas de brio, ak en pile blessé. Pendant Tarek a fait travail pal la nan éducation, pour première fois, yon équipe chirurgien international Rama Worldwide qui basé États-Unis visite yon l'hôpital nan Gaza. Yon façon pour porter
aide by moun ki blessé pendant la guerre. Ça c'est première mission médicale qui rivé dans strip Gaza. Nous t'ai essayé plusieurs fois à partir deuxième semaine attaque là, mais nous pas capable. Docteur qui sorti tout partout dans monde là, paré pour venir dans Gaza et puis aider dans tout cas. Si tout ça yo qui besoin opération. Docteur en chef l'hôpital européen dans Gaza qui te recevoir équipe chirurgien organisation Rama Worldwide là, t'es parlé pour dire. Mission ça a gagné 6 chirurgiens avec spécialité différents et important. Li pral supporter équipe locale nou yo et puis bay pi bon qualité service médical avancé pour plusieurs milliers patients qui blessés dans l'hôpital en strip Gaza. Li te porter tout yon bon quantité équipement médical ak produit essentiel qui nécessaire pour faire opération chirurgicale important pour patients qui hospitalisé yo. Yon coordonnateur équipe médicale urgence organisation mondiale la santé qui nan site Gaza te dit c'est seulement 20% dans l'hôpital qui nan strip Gaza qui toujours a fonctionné et puis yo tout trois chargé. D'après sa ministère santé dans Gaza, Hamas a dirigé, te di jodi mercredi ya, yon total 21,110 Palestiniens déjà mouri. Ak 55,243 blessés dans la guerre Israël-Hamas la depuis 7 octobre la. Ministère a te ajouté tout, gen 195 Palestiniens qui mouri, ak 325 blessés dans dernier 24 heures temps yo. Gentil Augustin Junior, Washington, pour VOA Creole. On a parlé de guerre, qui est un palais de guerre qui est toujours dans l'actualité, côté autorité, dans l'Ukraine, dit la Russie, lancé plusieurs vagues drones sous région Kherson après une grosse attaque Ukraine, dans le jour avant, sous un gros bateau russe dans Crimée. Serge François Michel. La Russie a attaqué l'Ukraine à 46 drones. L'été lancé dans plusieurs vagues attaques pendant la nuit hier soir. C'est ça l'armée ukrainienne dit jeudi mercredi. Aviation militaire ukrainienne dit défense li détruit 32 drones. Pendant que Pifon dans l'autre, t'es réussi frapper zone ligne bataille, surtout dans la région Kherson. Ministre intérieur ukraine Ihor Klimenko rapporte tout. La Russie pilonnait Kherson hier soir, côté le frapper en station train. Pendant mon tapton des paillons train pour évacuer. Klimenko dit bombardement tué un policier et puis blessé 4 moun. Dernier attaque ça a fait après une frappe ukraine à Yemadian qui a touché dans Crimée un bateau russe qui servit comme porte-avion. Aviation militaire ukraine dit il était servi avec missile rapide et qui attaque là a détruit gros maman bateau qui c'est Novocherkassk. Yuri Ignat, qui se porte-parole commandement force aviation militaire ukraine, dit la voix de l'Amérique. L'Amérique n'a pas eu information sous côté bateau a été ensemble avec force défense aviation militaire russe qui a protégé la région. Ministre de défense russe dit attaque ukraine a dommagé Novocherkassk dans une base dans Féodossia. Sergei Antonov, qui s'est gouverneur la Russie installé dans Crimée, dit sous Telegram, attaque la touye yon moun et blessé de l'autre. Vice-amiral Ukraine, Oleksiy Nechpapa, qui s'est commandant la marine paysan, dit la voix de l'Amérique, attaque à Yemadian pour l'affecter présence flotte la Russie dans la mer Noire. Serge François Michel, VOA Creole. Merci Serge. Actualité à mener nous connaît en Afrique, côté berger nomadio attaqué plusieurs villages dans l'état plateau dans Nigeria dans le week-end qui passait à côté au touye au moins 140 moun dans ça que yo décrit comme pire mauvais acte violence qui arrivait dans 5 années qui sont passé là. Marie-Lise Pierre, gain détail. Christian Emmanuel dit qu'il a célébré fête Noël là, le négatif t'est attaqué à. Il était venu bon 10 heures à peu près et puis il était commencé à tirer. Il habitait dans l'état plateau, dans le centre Nigeria, côté au suspect Benjé Nomad, il était simé la terre dans 15 villages dans le week-end, d'après l'autorité, la police avec monde qui habitait dans la zone Sayo. Nous allons rapporter plus de 140 personnes mortes dans ce que vous décrivez comme une violence qui fait plus de sang couler dans le pays ça. Depuis l'année 2018, moi j'ai commencé à courir, mais j'ai été qu'un bébé, et j'ai tiré, moi j'ai tombé, et puis moi j'ai commencé à rire, puis j'ai épargné moi. Mais j'ai dit, j'ai pas quitté.
moi t'ai prié en grâce et puis il t'ai tiré ma corde. Emmanuel dit il t'ai prétend il t'ai mourir lui-même. Attaquant il t'ai prend zamnien et puis il est parti. Personne pas connaît qui ça qui t'ai provoqué ben le sens ça. Cependant expert et politicien dit changement climat, développement dans l'agriculture, tout ça qui a peut-être contribué dans le conflit si là. Mais là, il est venu contre les cultivateurs chrétiens qui augmentent la production pour la population qui a grandi rapide manger. Dans le moment où le Nigeria vient plus sèche et il est plus exposé à sécheresse et à inondation, principalement musulmans Fulani qui basent l'autre bord, obligé de avancer plus loin dans le sud. Ça crée tension sous question terre et ça supporte tout un point de vue comme quoi conflit ça c'est sous affaire ressources au lieu de n'importe affaire religion ou bien mésentente ethnique qui t'a gagné en groupe yo. Président Bola Tinubu décrit dernier attaque sa yo comme primitive et cruelle. Li pa ko bay détail sous qui Jean li gen intention tacler problème insécurité ça qui gagné à travers Nigeria mais li fait connait li bay la police l'ordre pour joindre sa yo qui responsable pour pi fort massacre sa yo. Marie-Louise Pierre, VOA Créole. Merci Marie-Louise Pierre au sauvé au Créole ou suivi un programme dans langue créole haïtienne. Nous salut toutes amis qui branché dans moment ça cap suivre programme ça. Nous voulons dire nous que tant coup même j'ai ça été fait 25 décembre et ben n'a un programme spécial cap passer 1er janvier, y a un programme spécial pour monde qui spécial tant coup. Merci d'être choisi VOA Créole pour informer. Et oui, ça c'est Washington DC, n'importe là dans zone là, et ben pas oublier que Washington DC gon paquet bel monument et gon gros radio, on gros station radio télévision là-dedans qui c'est VOA. On a pas entré dans actualité concernant pays d'Haïti, Premier ministre Ariel Henry répond question la justice dans pays d'Haïti dans cadre enquête sur assassinat président Jovenel Moïse. Audition a provoqué réaction la caille proche monsieur Moïse, militant droit monde dans Port-au-Prince. Yon reportage Yves Manuel depuis Port-au-Prince. Juge instruction tendait Premier ministre Ariel Henry mardi 26 décembre 2023 à titre témoin dans quatre dossiers ça. C'est ça yon communiqué dans ministère communication révélé. Audition ça soulevé diverses réactions tribord bâbord. Pour ancien secrétaire général Palais National là, Renal Luberis, c'est yon massacre judiciaire qui visait blanchi Premier ministre Ariel Henry. Il dit pas comprendre décision juste instructeur qui décide de rendre dans bureau Premier ministre là pour attendre. Le fait que vous invitez le à titre de témoin ou que son volonté délibérée pour blanchir Ariel. Quand il y a le juge à lever l'aller dans bureau Ariel pour attendre Ariel, c'est Ariel qui attend le juge n'a pas attendu Ariel, donc c'est en mascarade et le juge là montrer que clairement que Martin Moïse a gagné raison, le ridicule pas d'après le devant ni pour des raisons de pour des suspicions légitimes, il demandait lui pour l'été déporter. Bon côté pas le militant droit monde avec avocat Antonal Mortimer pensé audition Premier ministre là c'est un pas dans démarche pour permettre Jovenel Moïse joindre justice. Contrairement avec tout le monde qui dit son face judiciaire, ça veut dire son mascara judiciaire, pour nous-mêmes nous pensons son pas. Ouais, son pas, le fait que M. Ariel Henry, d'accord, à Chita, l'évangéliste Voltaire, pour au moins non co-signer dans le dossier ça. Parce qu'il était gampé l'allégation qu'il a gagné implication dans planifier dans et s'ouvrir tout appareillage qui menait avec assassinat président Jovenel. Il a gagné de bons contacts avec les gens qui est déjà inculpé, qui est déjà condamné, ni sur le plan personnel, ni sur le plan politique. Bon, nous-mêmes, nous pensons que c'est un bon bagage. Dans le même communiqué, le ministère de la communication mettait dehors. Li fait connait Premier ministre là répondre question magistrat instructeur il contribuait dans manifestation vérité dans ça qui concernait meurtre sous 56e président pays d'Haïti. C'est preuve que pays nous personne pas au-dessus de la loi et c'est un devoir pour nous faire tout ça qui est dans pouvoir nous pour justice capable rendre à président Jovenel Moïse famille et puis nation tout entière. N'a souligné audition ça déroulé dans résidence Premier ministre là. En plus, chef exécutif là, magistrat, tendez tout, ministre économie et finance là, Michel Patrick Boisvert, et secrétaire général primature, José Pierre-Louis, gain l'autre officiel dans le gouvernement, juste instruction, attendez, semaine ça, dans quatre dossiers ça.
Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Donc ce même dossier ça n'a pas suivi pour l'autre réaction qui a sorti après que Premier ministre Ariel Henry répond question juge Walter Rousseff Voltaire qui sous dossier assassinat du président Jovenel Moïse. L'autre point dans actualité à nous pour aller dans ville Paris dans pays la France côté journaliste Franklin Edward Jedems rencontré avec ambassadeur pays d'Haïti dans pays la France et ouais quelques activités qui étaient déroulées pendant année sous l'obédience ambassade là. On a l'ouest à Pipré, nous allons à Paris avec Jedems. Ambassadeur haïtien en France n'a parlé de Jean-José Pierre Dahomé. Il profitait de Micro La Voix de l'Amérique pour adresser ses meilleurs voeux à l'ensemble de la communauté haïtienne de France et également bonne explication sur l'organisation exposition universelle que Haïti plébiscité pour qu'elle soit capable d'organiser en 2049. Alors je voudrais dire aux membres de la communauté haïtienne de France tous nos bons voeux de succès, de réussite et puis des vœux de sérénité, des vœux de dépassement de soi et des vœux de fraternité pour Haïti. Année 2023, t'es gagné un ensemble d'événements, évidemment que c'est des événements historiques majeurs qui liés au fait que année 2023, il était marqué 220e anniversaire l'an mort Toussaint Louverture au Fort de Joux, qui c'était le 7 avril 1803. Et puis, année, ça a été marqué 220e anniversaire création bicolore national là, drapeau national là, que nous fêtons avec communauté A. Il était marqué tout 220e anniversaire bataille de Vertière. Donc, nous avons gagné trois grands événements ça, que nous avons célébré année ça, qui c'était des événements majeurs. Et je pense que communauté A était très content et l'ambassade là était très fière que. Et dans l'année 2023, c'était la première fois que nous avons gagné un président en exercice, le président Emmanuel Macron, qui était venu avec nous au Fort de Joux, commémorer et mémoire et Toussaint Louverture. L'année 2024, j'en connais un, c'est pour le 220e anniversaire de la création de l'État haïtien. C'est-à-dire l'État haïtien prend naissance le 1er janvier 1804, et de 1er janvier 1804 à 1er janvier et 2024, ça peut le faire 220 ans depuis que nous créons la nation haïtienne. Donc, dans la perspective, ça, l'ambassade là est bien pour lui organiser un événement avec la communauté A pour commémorer le 220e anniversaire. Ça. Haïti récemment s'est participé dans l'Assemblée générale internationale que le Bureau international des expositions fait que s'est organisé. Qui rôle Haïti a joué dans l'Assemblement ça? Nous participons dans l'Assemblée générale ça et dans l'Assemblée générale ça et Haïti élu comme membre commission exécutive bureau ça et bureau international des expositions à côté des États-Unis, de la Chine et de pays tels que le Mexique, etc. C'est la première fois Haïti élu comme membre commission exécutive bureau international des expositions avec un projet en main. Qui s'est projet organisé en 2049 et une exposition universelle. Entre les bonnes intentions et la réalité, c'est deux bagailles qui sont différentes. Mais en tout cas, la population est capable d'accrocher avec le proverbe créole ça qui dit « L'espoir fait vivre ». Jedems Franklin Edward, depuis la Ville Lumière, Paris, pour la Voix de l'Amérique. Merci Jedems qui était parlé avec nous depuis Ville Paris, dans le pays la France, et un crime qui très triste qui arrivait de l'autre bord, et n'a pas gagné Jedems qui vient peut-être demain, et sous réaction qui gagne côté moun mouri et même gagne un petit moun qui mouri, n'a vini avec plus de détails côté que nous en pile sans couler, et tant que nous capables dans le programme ça, gagne en pile guerre et gagne pile violence, c'est actualité ça à travers le monde. N'a pas tourné tant qu'on te dit l'actualité à dans le pays d'Haïti, gagne plusieurs organisations sociopolitiques qui regroupent peut-être en bas convention mouvement Bois Caïman, et bien il a annoncé une série mobilisation à partir de 1er janvier 2024 là pour exiger départ Premier ministre Ariel Henry dans tête primature là. Nous gagne Renan Toussaint qui sous place dans Port-au-Prince qui pourra nous détail sur mouvement mobilisation ça. Parmi structure organisationnelle ça yo, nous ca citer par exemple Résistance pour Haïti, mouvement 29 mars, CRI national ak Rasso ke Ulrich Lousma
a dirigé. Nous dit c'est la CETA. À partir du 1er janvier, Kabila nous dit c'est maman petite, ma recette. Nous pouvons passer avec un goût de 9-9 pour nous capables de retirer le défi à Yellery avec tout alcoolique qui a pesé sous ses, qui a crasé, qui a braché, qui a fait tout le bagage de pays. C'est Haïti tout nous le fait. Ancien magistrat Isaïe Bouchard a bâillé calendrier mobilisation. 3 janvier, 1er janvier, 14 janvier, demain, devant Bini, nous demandons au peuple là, viens accompagner nous pour nous dire non à l'ingérence communauté internationale là, dans la politique haïtienne là. Pour nous dire non, c'est trop pas tort, parce que le pays a pas le pile bas. Pour nous dire non, pour que la communauté internationale là, vienne prendre congé national. Dirigeant politique Sayou estime que l'accord 21 décembre 2022, caduc, c'est une croix ingénieur Patrice Célestin. À quoi l'idée de l'ensemble, non? Il était clair dit, Ariel Sien, que 7 février 2024, doit y avoir un président légitimement élu. De fait, que je dis à la, il n'est pas là. Et je dis à la, nous dit, nous pas capable quitter Ariel pour aller sur le boulevard ça. Presque 2 ans et demi, nous tête un pays. Je dis à ces monde qui mourit. Crime, qu'a fait dans le pays. Massacre, si des soleils, exactement. Lui plus que tout massacre qui fait sous Jovenel Moïse, on a compris bien. Il y a un dossier à suivre. Renan Toussaint pour VOA Créole, Port-au-Prince. Ou toujours sous VOA Créole, on a suivi un programme dans la langue créole haïtienne. Nous prenons maintenant un petit moment, mais avant, il y a une nouvelle qui sortit pas bon ici. Et il y a un rapport avec l'élection ici aux États-Unis. Il y a un rapport tout avec l'actualité politique là. Et bien, il y a un cour suprême Michigan qui kembe ancien président Donald Trump sous bulletin vote là. Parce que il y a une possibilité que il ait retiré sous bulletin vote là. Même gens que cour suprême Colorado a été mandé. Et bien, ça, et bien, je dis à tribunal là déclaré que voulait aller en appel. Le tribunal était voulait pour aller en appel. Et bien, il a décidé finalement pour kembe ancien président Donald Trump sous pouvoir, pas sous pouvoir, mais sous bulletin, nous voulons dire. Et gagner un coup suprême dans tout vendredi qui te réagit, qui dit que yo poko vraiment a statué sous dossier. Et gagner un pile monde cap analysé qui dit que c'est son victoire pour ancien président Donald Trump parce que yo même yo voulait traîner tout et problème la justice qui que président Donald Trump gain problème avec yo, donc tout problème qu'il gagne yo, et ben yo voulait traîner situation. Donc c'est un dossier que n'a suivre pour pas boy ici de côté que ancien président Donald Trump lui même lui voulait tête droite pour et la Maison Blanche pour joindre un autre mandat la Maison Blanche, mais pendant ce temps il gagne pour faire face avec la justice dans plusieurs procès, notamment dans Georgia, dans New York, etc. Mais dernière nouvelle là, c'est que cour suprême Michigan lui-même, c'est une victoire pour président ancien président Donald Trump, c'est que il y a Campbell dans le bulletin contrairement avec cour suprême Colorado. Docteur Kounou te promet li nous pral nan Wanamet, et ben ingénieur cap travail nan construction canal irrigation sous massacre la baye quelques explications techniques sous travail yo cap continuer. Nous gen sous place Jodley Junior Saint-Ville. Travail yo a continuer dans tête canal là jodi mercredi 27 décembre 2023. L'été environ 3 heures dans matin, l'ayon pati nan béton radié a te fin coulé selon ingénieur Osnel Marcellus. Cléomé Dorville, yon nan ingénieur civil qui fait étude pour pavé tête canal là, te bay VOA Créole plus explication technique sous béton ça qui fait saute fin couler dans tête canal là. Et béton ça nous couler dans radier il permet nous conduire l'eau pour l'entrée dans tête canal là. L'un dit tête canal là, on dit tête canal, l'autre on dit tête là. Radier ça environ épaisseur de 35 cm. Oui, nous déjà gain pavage rivière qui même hauteur à gauche canal là. Et puis depuis massacre l'entrée c'est 450 à 500 mètres cubes d'eau par seconde. Ça veut dire que pour dimensionner l'ouvrage, nous faisons calcul et ça veut dire contre force, masse qui est dans la période cruyère pour l'ouvrage résister à nous. Et puis, calcul c'est nous faire qui permet de prendre quantité de loi nous faire pour le débit d'étillage. Ça veut dire que dans l'étillage, les pas la pluie, même pas sec, nous avons toujours de l'eau dans le canal.
Joudelet Junior Saint-Ville, depuis Wanamet, pour Véroa Créole. Et nous allons mettre fin avec continent sur tennis. Un ancien champion du monde tennis japonaise, Naomi Osaka, qui gagne racine. Haïtienne recommence à entraîner jeudi, mercredi, après une pause 15 mois. Ça, je vous dis, gagne détail. Ancienne championne mondiale tennis haïtiano-japonaise Naomi Osaka retourne en faire répétition dans le domaine nan, jeudi mercredi 27 décembre nan, après une pause 15 mois de quoi pour faire préparatif au match tennis international qui pourra dérouler semaine prochaine dans la ville Brisbane en Australie qui c'est un événement chauffé jarret pour championnat Open ville Melbourne nan captain men en date 14 janvier Kavin là. Joueuse tennis 25 ans qui déjà remporté 4 championnats Grand Chelem parmi au titre 2019 et titre 2021 en Australie, tu fait dernier match li dans le tournoi WTA dans la série Open Pan Pacific Ville Tokyo au Japon en 2022, quand elle était écrasée, on quitté ça dans le deuxième tour en face rival Beatrice Haddad-Maya pour raison maladie. Depuis ça, Naomi Osaka et ménage rappel Lia Cordé viennent tourner maman, papa, petite fille, Chai, dans la ville Los Angeles, État Californie. Serge Rodriguez, VOA Creole. Merci, Serge Rodriguez. On a parlé de grand chelem. Le premier grand chelem dans l'année, eh ben, c'est pour moi, je viens. C'est pratiquement fin programme. Non? Nous voulons dire merci pour l'attention. Merci pour la fidélité. Nous. Daniel Désir, qui est là pour la guerre avec toutes les amis. Nous, et puis, nous dit David, thank you so much. Mac et McLean, Rob McLean, Zami Pano, merci en pile. Et puis, gentil Augustin Junior, c'est partenaire Lacaille. Moi, c'est Jacques Lembélizer. Bonsoir et à demain.